Maroc a fait le choix de retourner à l'enseignement des langues ou à l'enseignement des matières scientifiques en français. Certes, le ministère de tutelle a préparé un dispositif pour accompagner ce choix et cette politique pédagogique pour la faire réussir, mais les organisations non gouvernementales, elles aussi, donc ils ont suivi, ils participent à la réussite de ce choix. Et comme justement l'enseignement des matières scientifiques, les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de vie et de la terre, donc vont être enseignées plutôt en français, l'Association marocaine des enseignants de français, qui est une association sectorielle, ne pouvait pas ne pas participer à la réussite de ce projet. C'est dans ce cadre que cette formation organisée par le comité provincial de l'Association marocaine des enseignants de français de Tienriel, donc c'est dans ce cadre qu'elle s'inscrit. Et je la remercie beaucoup et je l'encourage à titre personnel certainement, mais aussi en tant que membre du bureau national de l'Association marocaine des enseignants de français et en tant que secrétaire générale adjointe du comité provincial de la MEF de El Rachidia. Alors pour ce qui est de mon intervention à moi, j'ai dû la modifier un petit peu et j'ai dû l'adapter par rapport au fait que elle est venue donc le deuxième jour de la formation, pour éviter les redites, j'ai éliminé des choses, j'ai rajouté des choses et j'ai mis l'accent surtout deux ou trois points, à savoir donc le questionnement, comment poser donc des questions pour ne pas perdre le temps à chercher, et aussi j'ai eu une réaction très positive par rapport à ce dernier point, l'importance de l'introduction du document authentique dans l'enseignement des disciplines dites non linguistiques, parce que avec ce genre de documents, les documents authentiques, à la fois on sert le contenu ou le référent qui va être véhiculé par les mathématiques ou les sciences de vie de la terre et les sciences physiques et la chimie, mais aussi il y a c'est-à-dire que la langue française est servie aussi, et il est présenté comme on est censé l'apprendre.